Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette à make-up avec la Avatar de chez NYX. Je l'ai utilisée qu'une fois depuis que je l'ai, donc j'étais contente qu'elle sorte dans le tirage au sort. Il y a vraiment des couleurs qui m'inspirent bien. Bon, j'avais envie d'utiliser absolument celle-ci, mais j'ai fait du bleu pour la semaine dernière, donc on va peut-être éviter. J'ai envie de partir dans les teintes vraiment ici en dessous. Je vais éviter le jaune moutarde aussi. Peut-être celui-ci, il irait peut-être bien avec mon pull. Ouais, je vais voir. Bref. Donc bah écoutez, je vous remets le swatch de make-up en barre d'infos, je crois que j'avais fait, hein. Oui, parce que j'avais fait avec la palette teint aussi. Je me rapproche et puis on s'attaque un petit make-up. Et bien évidemment, Rayleigh commence à foutre le bordel. On commence à avoir l'habitude. Alors, je prends ce pinceau-là et je vais prendre celui-ci ici au-dessus pour faire mon creux. Je pense que je vais faire la paupière nude et du vert en ratine. Je trouve que mes mots. Alors, je commence déjà à dégrader doucement. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur propre tout simplement et estomper la transition sans rien. J'ai mon fard beige, donc ça devrait le faire. Je vais passer à un pinceau, je ne sais pas, je vais prendre celui-ci, c'est un plat assez touffu, et je vais prendre le taupe ici, j'ai envie d'utiliser celui-là, je ne sais pas s'il va vraiment aller avec le, donc je vais mettre ça dans mon coin externe. C'est un taupe un peu gris comme ça. J'aime beaucoup cette couleur. Je reprends mon premier pinceau pour blender. Sur la paupière aussi. Alors, je garde le même pinceau que j'essuie comme d'habitude. Et sur le reste de la paupière, tout simplement, je vais mettre celui-ci. Oh, elle m'énerve à foutre le bordel. Ah, il a des petits reflets verts, c'est bien ça. Bon, je vais le penser un peu plus opaque. Je vais y aller au doigt. Je retourne mon pinceau pour blender la transition. Je l'essuie et je reprends un petit peu du taupe. Je reprends le premier pinceau, la première teinte. Et je reblende mon creux. Alors, je vais mettre un crayon vert en muqueuse inférieure. Je vais prendre celui-ci de chez Essence. Et je remets en ratine. Je prends un tout petit pinceau crayon et je prends le vert ici. Le vert anis, là. Pour mettre en ratine. J'en mets également dans mon coin interne. Et je remets le lumineux qui est juste au-dessus, par-dessus. Je vais réintensifier un peu mon taupe, là, parce que je le trouve trop discret. Et voilà, je vais laisser comme ça. Je vais juste mettre du mascara. Et c'est tout. Donc, je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on fait le tirage au sort pour la palette de la semaine prochaine. Et donc, voilà le look final avec cette palette. Alors, c'est pas incroyable. Mais en ce moment, c'est ce que j'aime beaucoup faire. J'ai un chat dans la gorge. Non, Yuki, je ne te prends pas sur les genoux maintenant.
Alors j'ai juste mis sur les cils du bas, j'ai juste mis le crayon en fait, j'ai colorié mes cils. Et sur les lèvres, j'ai mis le petit gloss Fenty Beauty que j'essaie de terminer, que je finirai bien un jour. Voilà, voilà. Je vais ranger ça, je vais ranger ça. Donc j'aime beaucoup cette petite palette, bien que les fards soient pas wow, ils font bien leur job. Et j'aime beaucoup le côté vert marron et rose bleu mauve là. Voilà, c'est assez... Alors les pannes sont pas... décidément, ils sont pas très gros, hein. Je sais pas la quantité. Je ne sais pas lire. C'est écrit beaucoup trop petit patou. Hein. Mais c'est pas des gros pannes. Hein. La palette était quand même 50 balles. Hein. Ça fait quand même un peu cher pour la quantité. La qualité est là, NYX, voilà, ça n'a plus à faire ses preuves non plus. C'est pas non plus la qualité la plus incroyable que je connaisse. Mais c'est très bien. Voilà. Je pense pas qu'on puisse encore la trouver. Mais ma foi, moi je l'ai. Donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Enfin, c'est la deuxième fois. Mais voilà. Donc on va passer au tirage au sort pour les prochaines. Bien sûr, je m'autorise le droit de changer si j'en ai envie. La URD. Non, ça m'inspire pas. Forcément. Ouais, je change. Et alors, je fais ce que je veux. La Hogwarts. Est-ce que j'ai encore la Hogwarts? J'ai encore. Donc, on va faire la Hogwarts de chez Colourpop. Voilà. La URD, ce sera pour la prochaine fois qu'elle sort. Et donc, voilà pour la prochaine vidéo. En train de s'engueuler dans la rue. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire vendredi normalement. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous.